Ouais, Google, alors, comment ça se passe votre projet Soli là, le petit truc de radio qui permet de savoir s'il y a des gens autour et tout, vous avez travaillé 5 ans dessus, ouais. Comment ça se passe? Donc, attends, vous voulez me dire que cette technologie servira que à dire coucou aux Pokémon? Parce qu'ils vous ont payé 1 million! Mais vous êtes fous! Et salut à tous, c'est Jésite. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. J'espère que la petite blague juste avant vous a bien plu. Si vous connaissez le Google Pixel 4, que vous connaissez un peu, que vous avez suivi la conférence, vous savez un peu, vous comprenez un peu la blague. Mais si vous la connaissez pas encore, si vous connaissez pas encore le Google Pixel 4, laissez-moi vous le présenter tout de suite. Alors déjà, premièrement, on a deux Google Pixel. On a le Pixel 4 XL et le Pixel 4 tout court. Alors les deux auront Android 10 et Android Stock, donc vraiment pour la partie logicielle tout va bien. La petite version, le Pixel 4 tout court, sera 5,7 pouces et le gros, ça sera du 6,3 pouces. Et le Pixel 4 aura juste du Full HD+, ce qui suffit largement. Et le gros, le 4, le XL, aura du Quad HD+. Alors la Quad HD+, ça sert juste pour les gens qui utilisent de la VR avec leur téléphone, sinon ça sert à rien. Donc le Full HD+, tout va bien. Les deux auront de l'OLED, mais un OLED de très bonne qualité, plutôt lumineux, sans gros problème. Par contre, il reflète beaucoup, ça pourrait poser problème. Et aussi, les deux sont à 90 Hz, enfin, un haut de gamme qu'ils proposent. Pour l'instant, on n'a eu aucun haut de gamme, à part le OnePlus 7 Pro, si vous appelez ça un haut de gamme. Moi, j'appelle ça du milieu haut de gamme, mais vraiment, c'est compliqué de le placer. Mais aucun autre gamme encore. Les Note, les S10, les iPhone XS, les Huawei Mate 20, les 30, je sais pas quoi. Aucun a proposé du 90 Hz. Enfin, Google le propose. Les deux proposeront du Snapdragon 855, Adreno 640, 6 Go de RAM. Plutôt suffisant, 6 Go de RAM, ça suffit. Par contre, le stockage, il faudra qu'on en parle. Attendez, il faut que j'appelle Google. Attendez. Non, bah, je rigole. Mais 64 Go de stockage. Il n'y a pas de 128 Go, c'est juste 64 Go de stockage. Et là, tu te dis, ouais, mais les années d'avant, ils avaient proposé Google Photos Unlimited, où on pouvait stocker des photos dans le cloud, qualité extra marge, je sais pas quoi, illimité et tout. Mais pour le Pixel 4, ils proposent ça, pas ça. Ils proposent juste Google Photos One, qui pendant 3 mois, c'est tout, et après, plus rien. Donc, tu te débrouilles avec tes 64 Go de stockage, tu fais n'importe, mais vraiment, 64 Go de stockage! On est en 2019, c'est comme proposer du micro USB en 2019. Mais Google, réfléchissez un peu. Et on passe à la partie photo, normalement, où les pixels sont les plus forts. Et ils sont plutôt bons, même très bons, on peut dire. Alors, ils ont deux appareils photo, et là, tout le monde se dit, yes, un ultra grand angle à l'arrière. Trop bien. Mais ouais. Non, en fait, non. C'est le normal, toujours du 12 mégapixels, très bon appareil photo, franchement. Et le deuxième, c'est pas un ultra grand angle, non, c'est un, vous êtes prêts? Pardonnez-moi, un téléphoto! 16 mégapixels, téléphoto x2, voilà. Il n'y a pas d'ultra grand angle. Le troisième petit truc que vous pouvez voir, c'est une caméra TOF, voilà. Donc, on n'a pas d'ultra grand angle. Google, encore une fois, mais. C'est dommage. On est en 2019. La tendance a été lancée depuis fin 2018 avec même début 2018 avec le Huawei P20 Pro. Mais vous pouvez toujours pas mettre un ultra grand angle. Alors que c'est le truc que les utilisateurs adorent vraiment, l'ultra grand angle, c'est kiffant. Donc c'est un peu dommage. Mais le téléphoto x2 est très bon et il peut même aller jusqu'à x8 en très bonne qualité. Genre c'est de l'optique. x8 optique, on dirait. Grâce à leur logiciel de fou. Mais vraiment, ils ont un logiciel photo de malade, x8. On dirait qu'il n'y a aucune perte de qualité, vraiment. No problemo par la frémasse, comme j'aime bien dire. Mais on aurait quand même bien aimé un ultra grand angle. Et sinon, il n'y a pas vraiment de grosse amélioration. Il y a aussi astrophoto, où vous pouvez capturer des étoiles. Tu as besoin d'un trépied pour ça, donc pas tout le monde va l'utiliser. Donc, il n'y a pas de grosse nouveauté. Dans la photo. Donc, c'est un peu bof. Devant, c'est du 8 mégapixels. On perd la deuxième caméra ultra grand angle. Vraiment, il n'y a pas d'ultra grand angle.
Et elle est toujours bien, sans gros défauts, sans grosse qualité, mais toujours très bon. Et un truc qui est un peu dommage, c'est qu'il peut filmer qu'en 4K 30fps, il n'y a pas de 4K 60. C'est un peu dommage pour un ultra haut de gamme quand même. Plutôt un haut de gamme, pas un ultra haut de gamme. Donc voilà, c'est un peu dommage, on aurait aimé quand même du 4K 60fps. Par contre, la stabilisation est plutôt bonne, sans rien à dire, voilà. Bluetooth 5.0, de l'NFC, voilà, tout va bien. Et maintenant, on va parler des deux gros défauts du Google Pixel 4 et un seul défaut pour le 4 Pixel. Commençons par les défauts des deux. Alors déjà, le design, bon, ça plaît ou ça plaît pas. Je vais pas juger les goûts et les couleurs. Mais par contre, ce truc en haut là, normalement, ça sert à quelque chose. Il y a le radar, c'est un radar, les gars, un radar miniaturisé dans vos téléphones. Mais hey, tu imagines tout ce que tu peux faire avec un radar? Et pas Google, t'as tout brisé. Alors ils ont travaillé 5 ans dessus. Et ce qu'ils disent que tu peux faire avec, c'est faire coucou à Pikachu et Pikachu va te répondre. Où va l'humanité? S'il vous plaît! Coucou Pikachu! Allez, ça fait 5 ans que tu travailles sur un truc hyper dur, mais non, en fait, ça sert à rien. Bon, il y a aussi, tu peux, par exemple, s'il y a de la musique, faire comme ça, comme ça, comme ça, bon. Hey, qui va utiliser ça? Sérieusement? Non, mais sérieusement, je comprends que ça peut être amusant parfois comme ça, mais sérieusement, ça sert à quoi? Surtout qu'on a vu ça sur des Samsung, juste avec la caméra frontale, rien de plus. Pas un truc où ils ont travaillé 5 ans. Ou sinon aussi, pour pas trop cracher dessus, ça peut servir pour du Face ID. Bon, le radar ne sert pas pour le Face ID, mais le radar peut servir à détecter que t'es là et que tu vas le prendre. Donc, le Face ID va s'activer avant, comme ça, ça va être hyper rapide, fluide. Mais un problème avec le Face ID, bon, ça sera fait par une... Bon, Google a dit qu'ils vont faire une mise à jour dessus. Mais tu peux débloquer ton téléphone en fermant les yeux. Donc quand tu dors, la personne qui est à côté de toi ou qui vient je sais pas quoi, elle peut mettre le téléphone devant toi et elle débloque ton téléphone. Alors, faut leur expliquer c'est quoi une sécurité en fait. C'est qu'on te le débloque pas alors que tu le veux pas. Donc pas quand tu dors, pas quand tu as les yeux fermés. Un peu logique Google s'il te plaît, on aurait bien aimé ça avant qu'ils sortent. Mais bon, ils ont dit qu'ils vont faire une mise à jour dessus. Donc, ça, on leur pardonne. Mais par contre, parlons de batterie, je crois que vous comprenez déjà. Déjà, le Pixel 3 a été mauvais en batterie. Mauvais. Médiocre presque. Même médiocre, on peut le dire. Mais Pixel 4, ça va, il a une plutôt bonne autonomie, une journée et demie. Ça dépend de vos utilisations. Mais le Pixel 4, il est inutilisable. Faut économiser sa batterie à ce moment-là si tu veux l'utiliser pendant une journée à peine. Vraiment, 2980 mAh. Ou 60, je ne me rappelle plus, mais 2900 quelque chose. Google, tu réfléchis un peu? En 2018, tu utilises une batterie plus petite que 3 mAh? Même Apple fait mieux, alors qu'ils sont réputés pour avoir une batterie nulle à chier. Mais Google s'est dit, ah, ça va passer, personne ne va rien remarquer, mais sa batterie est plus que médiocre. Tu dois presque même pas l'utiliser pour pouvoir finir la journée. C'est un peu dommage quand même Google, parce que c'est un téléphone plutôt très intéressant, mais Stoli, où tu as travaillé 5 ans dessus pour le faire le plus petit possible pour le mettre dans ton téléphone, et le problème de batterie, et en plus les quelques problèmes de Face ID. Et vraiment Google, t'as raté ton téléphone. Le Pixel 4, ça passe encore. Même si l'asymétrie peut être compliquée, mais le Pixel 4, ça passe encore. Le Pixel 4 XL, pardon, ça passe encore. Mais le Pixel 4, n'essaie même pas de l'acheter. Ah oui, les 64Go de stockage, je viens de l'oublier. Mais les 64Go de stockage et oublier l'abonnement photo illimité ultra qualité, ils ont aussi enlevé. Google a raté son Pixel 4. C'est dommage parce qu'ils pouvaient proposer un truc très bon. Hein, aussi, en France, ils proposent que la version noire. Alors que la version rouge et blanche, c'est les meilleurs. En plus, la version noire est glossy, c'est-à-dire que ça attrape les empreintes de doigts. Alors que les autres, c'est mat, donc ça les prend pas. Pourquoi ils ne proposent pas au moins le blanc? Je comprends que l'orange soit une édition spéciale alumine, mais au moins le blanc. S'il vous plaît, Google, respectez la France un peu. S'il vous plaît. Donc voilà. Google déçoit un peu cette année, on peut le dire, même si en photo il reste toujours très bon. Donc voilà,
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter et de ce que vous pensez du Google Pixel 4 et 4 XL, si vous dites ce que vous pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Ça me ferait un grand plaisir. Et de vous abonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui regardent cette vidéo sans s'abonner. Allez, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Surtout quand on arrive de plus en plus proche des 100 abonnés. Et les 100 abonnés, il y a un truc qui arrive. N'oubliez pas de partager cette vidéo aux gens que vous connaissez pour qu'on soit plus sur cette chaîne et qu'on s'amuse plus. Et aussi, n'oubliez pas, nos problèmes par le problème masse. Et je vous dis tchuss.